Bonjour à tous, on se retrouve ici à Montigné pour la suite de notre essai de betterave sucrière bio. Vous avez d'un côté la partie qui a été semée le 15 avril et de ce côté-ci la partie plantée le 22 avril. Aujourd'hui, on teste différentes machines, une fois une sarcleuse conventionnelle de la marque Stekete, également de la marque Stekete le IC Weeder qui travaille sur la ligne et de la marque Garford le InGrow qui travaille lui aussi sur la ligne entre les plants de betteraves. Les betteraves plantées se sont très bien développées. On a une petite attaque d'altise, donc on a quand même quelques piqûres, quelques pucerons, attaque de limaces quasiment nulle. Donc on voit que l'avantage des betteraves plantées, c'est d'avoir un développement racinaire déjà très intéressant. Sur la partie semée aussi, je dirais sur la plus grande partie de la parcelle, on a vraiment une parcelle qui est relativement homogène avec une levée régulière des betteraves qui se sont bien implantées. Et maintenant, ça va être justement le challenge dans les prochaines semaines à pouvoir gérer les adventices de la manière la plus optimale possible. Dans le procédé planté, on a déjà réalisé deux passages de RC tri et on voit le résultat est vraiment concluant. Donc on a un champ qui est absolument propre. Donc dans le procédé semé, on a pu réaliser le premier passage après un mois après la date de semis avec un passage très très lent à 2-3 km/h et une pression vraiment la plus faible possible de l'outil, ce qui a permis de vraiment de quand même réaliser un travail sur la ligne. Mais on voit déjà que la RC tri a déjà de la peine avec ce réglage là de pouvoir les arracher tout en laissant en place toujours la betterave. L'idée de l'essai, c'est de pouvoir essayer différents nouveaux outils qui sont disponibles sur le marché. Donc avec le premier outil, le IC Weeder, donc une machine de 6 rangs qui reconnaît par la couleur et la forme le plant de betterave. On a ce boîtier devant la machine qui est complètement assombri avec une caméra par rang. Derrière, on a des couteaux positionnés à l'horizontale et qui travaillent de manière alternée entre les différents plants pour couper les adventices. Dans le procédé planté, on a eu un travail intéressant où la détection des plants était relativement bonne. Ensuite, dans la partie semée, là de tout de suite, avec des plants et des adventices qui sont déjà plus développés, on voit que là, on arrive déjà à la limite de l'outil et qu'il faut améliorer le système de reconnaissance des plants. Système Garford, donc des doigts avec un couteau au bout, également positionné à l'horizontale. Moteur avec un entraînement électrique, donc on a un système très silencieux qui fonctionne de manière très régulière, qui reconnaît avec deux caméras les différents plants, ce qui a assez bien fonctionné dans notre essai, dans la variante plantée comme dans la variante semée. Donc ce qu'on a également pu observer, c'est qu'on n'a pas réussi à travailler de manière suffisante des deux côtés de la ligne, mais on avait un côté qui était bien travaillé, l'autre un peu moins. Mais ce qui devrait être possible de corriger avec une distance interplan plus importante. Une difficulté de ces différentes machines, c'est de reconnaître la plante. C'est des machines qui nous viennent du maraîchage, donc souvent on a une bonne différence de stade entre ce qu'on aura planté et les adventices, donc ça permet vraiment de reconnaître facilement la plante. Et après, c'est sûr, si on compare ça par exemple avec une salade pommée qui est compacte, la caméra pourra beaucoup plus facilement reconnaître le plant. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, ici on est déjà au stade 8-10 feuilles, les feuilles se rejoignent déjà entre les différents plants, et donc là aussi on imagine bien, si on imagine une vue depuis le haut, que les différents systèmes de reconnaissance de plants vont déjà reconnaître ça comme un seul plan et ne vont pas travailler entre ces deux plans ici. Donc les stades sont vraiment importants et la période d'intervention est relativement courte pour ces différents outils. On s'aperçoit aussi que la distance interplan doit être importante. Ici on est à 20 cm, on a aussi une zone à 25 cm et on voit bien que les 25 cm sont quasiment un minimum qu'il faut avoir pour vraiment avoir un travail régulier de la machine entre les différents plans. Aujourd'hui, on a également utilisé une sarcleuse Stekete conventionnelle avec pas de doigts, avec une protection à disque et les roues cresses à l'arrière.
Dans ces conditions-là, on a un bon résultat du travail. Sur la partie semée qui était suffisamment développée, on aura pu utiliser les roues cresses. Sur la partie où les betteraves sont un peu plus faibles encore, au stade de 4 feuilles, on voit que les roues cresses, malgré un réglage vraiment très très léger, n'est pas possible puisqu'on arrache, on sort encore les plants de betteraves qui sont encore à ce stade encore relativement fragiles. Résultat aujourd'hui, donc différents outils qui ont été utilisés. La sarcleuse conventionnelle fait un très bon travail. On aura également utilisé ces deux outils qui sont plus développés. Le Garford qui aura fait un travail intéressant. Le IC Weeder dans ces conditions d'aujourd'hui, travail satisfaisant avec encore un potentiel d'amélioration. Et dans la variante plantée, la RC Tree qui a fait un excellent travail dans ses betteraves. On se réjouit de pouvoir vous retrouver à la récolte pour la mise en valeur de cet essai de betteraves et ces différentes techniques qu'on aura utilisées.